Ça y est, j'ai trouvé mon logement en France. Bienvenue chez moi. Comment je fais? Je vais tout vous raconter. Avant d'arriver, j'ai préféré réserver un hébergement temporaire sur Internet. Comme ça, en arrivant, je puis me familiariser rapidement avec mon nouvel environnement et me concentrer sur les démarches à accomplir. D'abord, j'ai préparé mon dossier, plusieurs même, pour être sûr. Dedans, j'y ai mis une copie de mon passeport, mon relevé bancaire, une attestation de revenus. Comme j'avais un garant français, j'ai indiqué ses coordonnées. Sinon, j'aurais pu demander Visal, une caution locative gratuite. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait plein d'hébergements possibles. Certaines écoles ont leur propre résidence. Sinon, il y a les chambres des cités universitaires du CROUS, de la Cité internationale universitaire de Paris, ou encore des résidences étudiantes privées. Pour se plonger au cœur de la culture française, on peut aussi loger chez l'habitant. Contre un service rendu, la chambre peut être moins chère ou même gratuite. Il y a aussi les bailleurs privés qui proposent studios et appartements à la location. Et en colocation, ça permet de partager les frais. Il y a même des foyers de jeunes ou d'étudiants. Moi, j'ai choisi une chambre en résidence universitaire. J'aime l'idée d'être entouré d'autres étudiants de France comme des quatre coins du monde. Hier, j'ai signé mon contrat de bail et j'ai souscrit une assurance habitation. Et ici, je n'ai même pas besoin de prendre un abonnement pour l'électricité et les gaz. Je peux maintenant profiter sereinement de mon nouveau chez moi. Allez, on déballe les cartons. Et si tu as d'autres questions, rendez-vous sur campusfrance.org.